Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je propose une nouvelle couleur modèle nommée Deep Ruby Red. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé des prochaines vidéos de couleur modèle et de laisser un like si celle proposée vous plaise. Avant de commencer, faites une demande à votre leader ou vos capitaines de groupe pour entrer les valeurs X et RGB sur le Social Club, comme indiqué en ce moment sur votre écran ou de leur partager la vidéo. Pour procéder, placez le curseur de votre souris sur le rectangle coloré correspondant à la couleur de votre groupe. Faites un clic droit dessus, puis inspectez. Une console s'affichera soit en bas, soit à droite de votre écran. Repérez la ligne Crew Color Value, rentrez la valeur X, puis validez avec la touche Entrée de votre clavier. Repérez la ligne Background Color RGB, rentrez la valeur RGB, validez avec la touche Entrée de votre clavier également. Maintenant, faites Sauvegarder ce crew, puis lancez le jeu. Une fois le Santos Custom ou chez Beniz, allez sur le menu Peinture. Si votre véhicule dispose de deux couleurs, principale et secondaire, commencez par la secondaire pour appliquer la première couche. Une fois dans le menu couleur secondaire, allez dans métaux. Vous sélectionnez acier brossé. Vous validez, vous ressortez. Vous allez sur couleur principale, métaux. Vous sélectionnez aussi acier brossé. Vous validez, vous ressortez. Vous allez sur métallisé. Vous restez 4 secondes sans rien valider. Vous ressortez. Et encore, vous allez sur emblème de crew, vous appliquez, vous ressortez, couleur principale, menu des couleurs nacrées. Vous allez sélectionner la teinte rouge. Vous validez, vous ressortez, vous allez sur crew, couleur de crew, vous appliquez, vous ressortez. Vous allez sur couleur secondaire, crew, vous appliquez, vous ressortez. Et voilà. Vous avez désormais la teinte Deep Ruby Red sur votre carrosserie. Got the key, won't cool out!